Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve ensemble pour un nouveau Let's Play découverte sur... Haven, H-A-V-E-N, un RPG indé qui a été présenté il y a pas mal de temps maintenant, je crois que c'était lors d'un Nintendo Indies, et qui est aujourd'hui disponible donc, depuis le 3 décembre sur toutes les plateformes Switch, Xbox et PlayStation. Donc c'est Isabelle qui a la manette en main, et on va être parti. Et nous du coup on est sur la version Xbox. Oui, on est sur la version Xbox Series Game Pass. S. Il est dans le Game Pass. Alors, voilà, voilà. Moi ça me fait un peu peur parce que c'est marqué en anglais, mais je pense que c'est peut-être normal. Option. Langage. Language. Ah. Voilà. Je vais les mettre un peu plus gros, les sous-titres. On va mettre les sous-titres vous, en hein. Bien, comme ça vous n'aurez pas de soucis lors de la visibilité de la vidéo. Ok. Et ben on part sur une nouvelle partie. D'accord. Et ben j'espère pour vous, hein. Ok, nickel. Ben on part au normal, allez, alors, hein. On allez. Leur fait confiance. Faisons confiance. Je pense qu'à mon avis, on va pas échapper au blabla traditionnel des débuts de RPG. Oui, c'est probable. Monsieur fait à manger. Chelou leur maison, ils vivent dans l'espace ou quoi? Ouais, je crois, oui, il y a un truc dans le genre, j'avais pas trop suivi le scénario de base. Tu nous ferais quoi? Fricassé de pommiel au pommiel, ok? On n'a pas déjà mangé ça hier ou avant-hier? Non. Hier, c'était gratin de pommiel au pommiel. D'accord, c'est vrai que ça change. Ça change beaucoup. Et avant-hier, pommiel sauté. C'est quoi des pommiels? Oui, c'est bon, ça me revient. Donc elle s'appelle Yu et lui s'appelle Kay. Désolé, je fais ce que je peux pour varier les plats. Il faut bien reconnaître que le panel d'ingrédients est assez limité. D'accord. Donc un choix multiple. No offense to you. C'était pas contre toi. I'm just getting a little bit. Je commence à en avoir un peu marre des pommiers, j'imagine, madame. Donc on retourne faire un tour, voir si on n'a pas raté quelque chose. Notre première quête va être d'aller faire de la bouffe. Yeah. It does seem like it took some damage upon landing. Elle c'est la mécano, lui c'est le cuistot. I should be able to fix that. Ok, on est loin d'équiper, c'est cool. Awesome. Your butt's awesome. C'est tes fesses qui sont au top. Ah! Ok. Arrêtez, il y a peut-être des enfants qui vont regarder la vidéo. Tiens, bien fait. With the lights off, works for me. No, I didn't do that. We must have run out of flow. Cours d'ombre. You're supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Pourquoi il pleure? Ça va, les chargements sont relativement rapides. Ah, on peut changer de personnage avec le bas de la croix directionnelle. On est vraiment sur du tuto de base, hein. Alors ça, c'est ce qui m'avait plu dans le trailer. C'est chouette, hein. Cette espèce de glissade, la permanente. Ils appellent ça glisser, moi j'appelle ça voler, mais... Attends, le joystick gauche, j'ai pas eu le temps de voir. Alors tu glisses et tu fais demi-tour vers le bas. Voilà. Over there, a flow thread. Là, un courant d'onde. Ah bon? Où? Là. Ah non, c'est drôle. Sorry, birds. We pardon didn't les oiseaux, vous avez pas vu. Ah,
sais pas, ou elle a vu un courant d'onde et comme je sais pas à quoi c'est censé ressembler. Mais ce n'est pas là. Ok. Ça peut-être. Oui, ça doit être ça. Oups. Try again. Oups, on se la refait. Yes. Just like that. Ah ok, d'accord. Ça leur permet d'aller plus vite, quelque chose dans le genre. Although it seems like one thread won't be enough. Par contre, un seul courant, ça va pas suffire. Bref, ça recharge, je pense en les prenant, il recharge une espèce de batterie, non ? I don't know. Three? Maybe four? Trois ou quatre ? Alors, si on entend un bruit bizarre, c'est Snow. Il est en train de faire n'importe quoi derrière la porte. LT. Ok. Ok. En phase 5. Voilà. It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Permet de pas avoir s'arrêter tous les 3 secondes quand on se prend 2 caps. We all do it. Alors, maintenant on va chercher des pommiers, je suppose. C'est pas facile leur truc là. Hop. C'est stylé en tout cas. Ouais. Pommiel, voilà. Apple juice again. Encore des pommiels. Ah, écoute, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose sur votre planète bizarre là. Pas ma faute. That was a bust. We were too slow. No biggie. Plenty of threads out there. One or two more threads, and we'll be all set. Il y avait des pommiels, je crois, par là, mais je sais plus où. Je sais pas, là, ils cherchent encore les courants, apparemment, hein, donc... Yes. Et on remonte à la ben maison. Voilà, je suppose. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Alors, attendez. Là, c'est le journal. La santé. Ouais, la santé. Option, on s'en fiche. Inventaire. Bidule. Ok. Du coup, je sais pas ce que je dois aller, ce qu'on doit aller faire en fait. Oula. Faut pas rentrer dans le vaisseau? Si, je voulais juste regarder s'il y avait des choses. We're not going anywhere. So? I'm all charged up. Ah, ça y est, elle est chargée à bloc. Ok, anywhere. Maintenant tu peux rentrer, ok. Ok. Il manquait pas grand-chose. Hein. Des pommiels. This is a pretty one. Hop. Un peu bizarre, on a l'approche comme ça, mais... This should last us a few days. On va tenir quelques jours avec now ça. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Cuisiner. Ok. Oh, il faut faire de la du super faut... pommiel. Du pommiel au pommiel, agrémenté de quelques pommiels. Combien je suis en hausse sans en prendre? Je comprends pas ce que je fais. Pourquoi j'en ai des deux côtés en fait? Ah, sur B et sur gauche. Ah, il faut laisser appuyer. Ok. 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 Voilà, il faut que j'ai les bleus de chaque côté en fait. Ok! Pommiel rôti! Génial! Bon, servir non? Oui. Done. Roasted apple juice. Pommiel rôti au pommiel. I can't tell if you're actually excited about this. Savoir si tu es sincèrement enthousiaste. Or if you just enjoy seeing me suffer. Si tu fais ça pour me faire souffrir. Attends, il y a l'air d'avoir rien d'autre dehors. How long do you think this is gonna last? The flow? Well, if we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here.
On sait même pas si François est ici en fait. Combien de temps avant qu'ils viennent nous chercher? Donc ils attendent quelqu'un qui va les chercher. We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. Mm-hmm. And FYI, intéressant, you are the toi one that ruined the mood. Pas moi. Not me. Okay. Bon. Alors, on a cuisiné. Il est un peu stylé quand même leur truc. Ouais, ce que j'allais dire. Discuter, non, saoule. Consulter. Consulter la map. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Non, on voit rien du tout. Oui, on voit pas grand chose. C'est naze. Alors. Do you need anything? Là, on peut se soigner. No. Huh. Okay. Me neither. Là, on peut dormir. Je vais faire le tour quand même avant. Hein. Ça, c'est pour sortir, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est petit quand même, hein, les pauvres. Oui, c'est pas grand. Après, ils sont deux, mais... On va peut-être dormir, je sais pas. Ah ouais, mais je voulais faire le tour du vaisseau avant de dormir. Du vaisseau, je sais pas trop quoi. Avant, quoi. You. Alright, let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on, are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. Mais comment parler? I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Qui viendront peut-être pas? Oui. Do you really think that they can voilà, come get exactement. Us here? Ouais. If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are, is there? I cut off the auto nav, the astrolock, even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. Ah. At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. Voilà. Je veux un peu d'action quand même. You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie. We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Qu'est-ce que je fais? Comme tu veux. Come on, the weather's great. But the weather is always great. For now, who knows? Tomorrow could be the beginning of the long winter months. Could last for years. One more reason to stock up on apple juice. You know, always being right is not necessarily a good quality. On the contrary, many people find it very unappealing. You? Not sure. Pardon, il faut que je bouge. Je pense qu'il faut sortir. Ouais, ouais. C'est bizarre en fait de les voir et de. Oui, d'être en vue FPS en fait. Ben, en c'est gros, ça, ouais. C'est quand même relativement bizarre. Do you remember where the apple juice were? Can we try and pick something else for a change? Ouais, ce serait bien quand même.
On est passé en mort. Oula, excusez-moi hein, pour les angles, mais... Is it me or is the ground shaking? C'est moi ou ça bouge? Pas du tout. It's shaking a lot. Ah, par contre, les chargements à chaque fois, c'est... Bah ça va, ils sont courts, mais... relativement rapide, oui, heureusement, mais... Mais ça coupe quand même vachement vite, oui. Pour l'instant. Hein. On est déjà avec presque 16 minutes de vidéo, j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout, quoi. Bah, on a cueilli des pommiers. Ah. Ah bah ça, c'est rip. Ça, c'est moche. Ça, c'est plus que moche. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Well, except... À part le vaisseau, quoi. Enfin, le nid. It's not all lost. Well, it is. A bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Bah, moyen de passer de l'autre côté. I don't know. Une corde, un jetpack, des chaussures en sort, n'importe quoi. Ok. Spring-loaded shoes. Anything. I don't want to be stuck here. It sucks. Me neither. That's why we'll have to find something. Okay. Bon, bah, va falloir aller fouiller le vaisseau. Bah, il est de l'autre côté. Ouais. Faut que moi je trouve un moyen de passer de l'autre côté, en fait. Il y a un truc là sur la petite colline en face. Mmh. Bon, il y a des pommiers, certes. Mais j'avais vu autre chose. Ok. Ok, elle me fait rigoler. Elle. Là, c'est quoi ça? Ben voilà ça. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Hein? Call me crazy. C'est moi ou ça ressemble à un glitchement? Yep. It looks un like arc d'onde. Kind of like the one we took to get here. Genre celui qu'on a pris pour arriver jusqu'ici. Mais en mini. Is that possible? Why not? We still don't really know how the flow bridges work in space. But if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between two planets, why not two bits of a planet? Okay. Ce qui va peut-être nous permettre de traverser. Really is a flow bridge. Et comment ils savent qu'en passant par là, ils vont atterrir de l'autre côté? Ils peuvent atterrir n'importe où. Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Oui, certes. Ok, bon, on va y aller. Hein. Ah, là, ils avaient l'air de manger autre chose que du pommiel. Oui, elle avait l'air contente, la dame. Do we have everyone? Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another island. C'est une bête qu'on voit derrière elle. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Allez. Là, ah oui. Regarde. Ah, c'est Spiro. Do you see what I'm seeing? Tu vois ce que je vois? Un gros lizard. No, the mushrooms on its back. Looks like a type of Hygris cybrubescens. Ah. Is that good news? Like, can we eat it? Oof. Not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. Une grosse mycose. That's a possibility. Oh. We'd have to get a sample to... Stop. Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Bon, moi j'y vais quand même. Gratouiller. Ah.
peux le faire? Bah, je crois, oui. Ça n'apporte rien. Bon, on va faire un visitons. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça n'a pas l'air de les perturber, ça fiche. Non. Il y a rien qui s'affiche. Poivre grelot. Must be an endemic. Pardon, j'ai appuyé trop vite. Oui. Go ahead. Why should I be the your body ma- and also think about if you won't do it for us, please do it for science, Kay. Okay, for science. Vas-y, cobaye. Is it that bad? No. Ooh, no. It's just very peppery. Let me taste. Oh yeah, these are good actually. You really have an infant's palate. Off we go. Let's pick these. Enfin, une nouvelle recette pour faire du pommiel au poivre. Where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with apple dews? Apple dews. It isn't ripe yet. Make sure they don't get squished. Pourquoi je peux pas m'approcher de la bébête et faire quelque chose avec? Mais je ne sais pas. Je peux que la gratouiller. Bah ouais. Mais on n'est pas censé se battre contre des choses dans ce jeu, en bah fait. Je crois si. Ah bon. I got a big one. On va faire le tour de la petite île là, on verra bien. Pardon. Excusez-moi pour ce cri un peu bizarre. J'ai un peu cru que j'allais tomber. Ah. Ok, je finis juste de fouiller par là. Good, because those things are really useful. Il y a la bébête. Il y a du pot au miel de tous les côtés, mais bon. Voilà, vache! T'as vu ça? Encore du pot au miel, quoi! Et je remonte et on va pouvoir prendre le chemin. Après, c'est super sympa, je trouve, c'est vraiment original. Oui. Le truc, c'est que là, par contre, je vois vraiment pas. Si, je vois où ça va en venir, mais. Wow! That's. Actually. What is that? We should take a closer look. Allez voir quoi? Ouais bon, c'est pas grave. Ces trucs ils sont toujours à l'inverse de l'endroit où je vais, c'est un peu bizarre quand même. Il parlait de ça, je suppose. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Sous nos pieds, monsieur le géologue. I'm a biologist. Isn't that the same thing? Biology, the living, geology, the rocks. And what makes you think this is not living, pray tell? Comme elle le blâme à chaque fois. C'est clair. It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh. There's vegetation underneath. Il y a de la végétation dessous. It was probably smothered. Good thing we came this way. Et donc on va enlever ça? That way. Ah oui. Ah oui, regardez, the rust just formed into a bigger chunk. On dirait que la roue a formé quoi? Un plus gros morceau. On va ramener ça au nid pour l'étudier, d'accord. Ouais, bah faut déjà qu'on puisse y retourner. Ah, est-ce que tu dois tout nettoyer? Je sais pas, je vais essayer pour l'instant, j'aimerais bien. Je pense qu'il faut que je casse les endroits, tu sais, les plus lumineux. Ah oui. Je sais pas si on... là par exemple, tu vois ça. Oula, je vais mourir! On peut pas mourir peut-être. Sorry pour vos yeux. C'était du poivre. Le poivre est très important. À mon avis, il faut que je nettoie toute l'île, je pense. Hein. Peut-être. Rust. Saw that. Oh, c'est quoi? Au secours du pommier. Il faut que je nettoie toute l'île.
pardon. Ah, les demi-tours sont brutaux. Ouais, ah. That's great. Attendez, je finis cette île encore un coup, je vais regarder partout là. Bah, à jouer ça va, mais je pense qu'à regarder ça va faire un peu mal à la tête. Ça passe. Ouais. Even the apple shrubs are completely covered. Oh là là, même les pommiers étaient... Juicy fruit. Tu sais quoi, je dois nettoyer toute l'île. Non, je peux y aller, hein. Ouais, je pense, oui. C'est quoi qui est en haut, là-bas? C'est le... par là où on est venu, non? Je sais plus. Tu crois? Ah oui. This is where we came from. Oui. Ça va, je te le dis en fait. Ça va. Donc moi je repars là maintenant. Alors avant qu'on démarre la vidéo, Ken m'a dit je crois que c'est du tour par tour. Et ben après 26 minutes, on se demande toujours. Ouais, même pas eu un petit combat tuto, ouais, je sais pas. Find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. It could always be useful. Je sais pas ce qu'on va faire avec de la rouille brute, mais peut-être pour réparer le vaisseau. Il y a peut-être des trucs à crafter plus tard, des choses comme ça. Je pense peut-être pour réparer le vaisseau ou. De toute façon, je pense qu'il faut que je nettoie tout jusqu'à ce que je retrouve un nouveau passage. Suis la trajectoire de la spirale bleue là, peut-être. Ah, peut-être. Ah, ça va pas là au-dessus? Si, possible, ouais. Ouais, ça va être ça. Voilà. Oula. I thought this planet was supposed to be a desert. Ah. We deserted, not a desert. Peut-être croiser quelqu'un enfin. According to the archives, a colonization plan had been considered by the Apiary, with Exanova as the main provider, but the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Is it because of that rusty stuff? I don't know. The file doesn't say anything about that. Hmm. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Pourquoi ils arrêtent pas de pleurer sur les écrans? C'est vrai, j'avoue, ouais, je sais pas. We're here. We found the nest. On a retrouvé le nid. Whoa. Whoa, 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 whoa. There is no way this thing is flying again. Don't say that. You could make a rock fly with the right tools. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you laughing? Hold on. We decide to escape the Apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really random, only because some obscure document from Exanova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the Apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site, even though we hadn't really planned for it.
finally we get hit with an earthquake, all right. But we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? Tort, hein. Ouais, complètement. You. Bon, moi, c'est bien parce qu'on a eu un petit résumé de leur leur plan en même temps. That's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that loot. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. Comme c'est beau! What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Ok, du coup, on fait quoi maintenant? C'est quoi là-bas? Bah on va aller au vaisseau, hein, je pense. Ouais, je suppose. Some things are... Whoa, what a mess. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah, we'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. If you know what I mean. You can do whatever you want. But I am going to bed. Bon, on va aller dormir. De nouveau, on veut la première personne à chaque fois. Ouais, c'est bizarre. Bah ouais, en fait, c'est comme ça. Ah oui, c'est un petit peu le bordel. Bah oui. Les pauvres livres. Do you need anything? No. Ah. On va aller dormir. Moi, je vais voir ce qui se passe le lendemain. Tu vas ranger les livres, les classer par ordre alphabétique. Ah merde! Non! You okay? Elle est en train de mourir, c'est rien, ça va aller. You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. Oh, sympa. It was horrible. Yeah, seemed like it was. Do you want my opinion? I'm not a dream expert or anything, but... It wasn't a dream. I wasn't sleeping. My eyes were wide open. No, your eyes were closed. I'm telling you, they were open. I saw everything. You, the room, everything. Okay, okay. What I meant was that it may have been because of the nest. What? You said you couldn't move. You were nailed to the bed. A bit like the nest, which is stuck to the ground, right? You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. Huh. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this will all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. Et on va trouver des pièces où? Parce qu'il y a quand même légèrement rien sur l'île où ils sont. Bah oui. Après, elle a peut-être des pièces en stock. Bah, je sais pas. Elle a commencé à ranger les livres, ça va. J'en ai pas rangé, mais bon. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah. We're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so. Because I have no idea what else we can do. Et du coup, je dois aller où, moi? Parce que je trouve le truc du machin chose, là. Le truc dans le machin. Aha! Le tracto truc muche là. Ah non, c'est bon. Je crois que je dois sortir. Je
Je sais pas, je vois rien d'autre dans le... Ça, c'est la cuisine. Ici, y a rien, puis là, je vais revoir... Ouais. What are you looking at? The distance between us and the apiary. Okay. I wouldn't expect ça, it to change. Ça, je peux pas interagir. Exactly. It's comforting. Écoutez, on va sortir, hein. Pas comme ça. Si c'était pas ça qu'il fallait faire, ils me le diront. What if we grabbed a little snack for the road? Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well, just in case. Ah. Donc on a deux kits de soins, je prends les deux? Oui. Ok. Alors là, on prend kit de soins, il va peut-être nous arriver quelque chose. Bah, il serait temps, je te dirais, un petit peu, qu'on puisse quand même vous montrer quelque chose. Ça a pas l'air de marcher ton truc. Did it move? No, I don't think so. Bulging blunt. Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it. We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Qu'on a une penchée dans la maison. Our legs start shrinking to even us out. That's not how things work. I know that's not how things work. Nothing is working the way it should. Especially not this bloating tractal globe. Poor thing is doing what it can. It wasn't designed to lift ships in the first place. I know. But I was hoping it would go the extra mile. Right now, the batteries drain out even before lifting the nest off the ground. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a new statue of you. Oui, normalement, oui. Super complex component, ah, d'accord. Ça ressemble plus à un jeu de survie pour l'instant qu'un RPG. That's c'est très bizarre awesome. Quand même, hein. Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Excuse me? You've never heard of that saying? No. No. Must be a truth thing, then. That means let's not celebrate before we... Yeah, yeah. I got it. Anyway, how much rust do you need in order to... pull the panties down? I don't know. Four or five blocks, like those we already got? Okay, so let's try and find that. Oh, je trouve pas chercher de la rouille, c'est oui. Ça? Il n'y en avait pas sur la planète là. Faut que je reprenne les chemins. Ah oui, c'était sur une autre. Ouais. Are you sure we want to go back there? Why not? Well, we've already looked there, and I'm not sure what more we can find. We're looking for parts to fix the nest. Regardez là où on n'a pas déjà cherché. Ah, je veux bien, mais c'est où on n'a pas cherché? Makes sense. I saw another bridge a little further down. Ah, okay. My okay. Guess is we're more likely to find some good stuff over there. Or bad stuff. I'm just saying, we'll find some stuff. C'est le truc qui est en haut, je suppose. Ça, j'avais même pas vu, oui. We must look so goofy right now. So what? No one can see us. À mon avis, c'est là. Si vous êtes allergique aux écrans de chargement, this way is also full of rust. Not for long. Here, another big chunk. We probably should grab some more, just to be sure. For us to make the gasket, okay? For sure. Alors. Great. We're stacking up. Oh! Be careful. Ah. These creatures don't seem to be in their right mind. I did notice that. Oh.
maintenez pour préparer une action. Ah d'accord. Et dash. You started it. Alright, ok. That's it. C'est bien du tour par tour, il avait raison. Oh, Bloot! That looks bad. C'est ce qui m'a contacté, non? Alright, that's it! One of them is wicked. We should be able to pacify it. Copy that. Pacifier au plus Y. Non, je sais que ça soit terminé, je vais vous expliquer un truc. One to go. Bullseye. First we weaken it, then we pacify. C'est un peu comme Pokémon. Okay, so we're striking. Faut la faire bien avant de jeter le Pokéball. Bah alors. Are you okay? Eat that. Go go K. Target locked. It's settled down. Now's the time. Voilà. This one's ready. On it. Alors en fait la croix directionnelle c'est pour lui et le ah et les quatre boutons c'est pour elle. D'accord, ok. C'est pour ça que je comprenais pas comment il fallait faire pour attaquer. Seems like it was the rust that made him aggressive. D'accord. I'd do the same if I were them. Je me dis c'est bizarre, j'appuie sur le bouton, il se passe pas ce que je voulais. C'est ça en fait. Wake up in the morning with a rash covering your body. If you scratch it, it gets worse. If you don't scratch it, it still gets worse. Of course you're gonna lash out first chance you get. I don't think this is the same thing. Of course it is. Tell her Oink. Tell Kay that I'm right. L'idée est vraiment intéressante après la mise en place des noms quoi. Oui. C'est souvent le cas. Hein. Et du coup, on la gratouille. On peut pas la prendre avec nous. On peut pas être notre ami. C'est pas juste. You know, you can use these. Come on. Just a little more rust and we'll be set. Du coup, je fais quoi? Je suis le chemin, à ton avis? Qui s'est ouvert ici? Ouais. Tu sais revenir au vaisseau après? Bien sûr. Tout à fait. Tu doutes de moi? T'as bien raison. Do you need a lot of rust for the gasket? Hard to say. On en a pas assez, alors il faut continuer à chercher. Oula, là il y en a pas mal. Another thing oh, from home. Oh, mais c'est pas vrai, how on peut jamais avancer. How many do you think Axon ever built before they realized it wouldn't work? I guess they knew what they were doing. Having worked for them, I can tell you they don't just throw money around. Knowing my mom, I'm not surprised. Still though, it shouldn't take years of research and observation to realize that this planet is scattered around like a jigsaw puzzle. You don't just see this and think, ooh, this place is nice. We should settle it. That's what we did. But we didn't have much of a choice. Why did my mom never mention any of this to me? I don't think Axonova wins colonization contracts on the regular. These buildings look kind of old. J'ai bien compris, sa mère, elle travaillait pour cette société. Bah, je pense, ouais. She may not have been with the company at all. Yeah, un poste assez important. Je pense, ouais, à mon avis, c'était peut-être partie des dirigeants ou peut-être la dirigeante. I guess we'll figure it out eventually. Bon, vous ramassez la rouille ou ça se passe comment? Have a good one. J'ai vu des bébêtes là-bas, je crois. Ça. Alors. Par contre, t'as plusieurs attaques disponibles déjà ou tu peux faire toujours qu'une bah, seule regarde, attaque? Bah regarde, j'ai impact, blast, bouclier et pacifié. Donc je pense que j'ai deux attaques. My boyfriend. Ouais. Target locked. I'm coming. Are you all right? You? Yep. Saw that. Oh. Oh. Oh, d'accord. Ok. C'est du tour par tour, mais pas tout à fait quand même. C'est du tour par tour, mais ils peuvent attaquer quand même. Ils attaquent un peu comme quand ils veulent. You. You didn't like that too much. Ah moi j'ai pas vu. Je pouvais pacifier celui du milieu là. Are you okay? Great job. You're welcome. J'avais pas percuté non plus. Hein.
Par contre, on voit pas nos barres de vie. Non. Right before the picking. Harvest time. Oui, je peux le pacifier. Ouais, ouais. Là, ça devient tout de suite plus vivant. One to go. Why? Il est pacifiable, lui? Non, non, non. Non, hein. Dodge this one. Oh, come on. Je crois que impact, ça fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Impact? Ouais, ouais. Chill. Ah oui, oui, ah, okay. Clairement. Ok, elle a impact de l'autre côté, c'est inversé par rapport à lui. You go, girl. He's right for the pick. Voilà. Ok. Harvest time. You? Yep, saw that. Moi, ce principe, j'aime beaucoup, par contre. Hein. Le principe de combat est pas mal, hein. Le principe de combat, puis le fait bah, de, entre guillemets, sauver des créatures comme ça. Oh, regarde, regarde, regarde en haut, là-bas. Ah oui. On va encore juste aller voir ce que c'est que cette bébête, là. Je suis désolée. L'aspect découverte serait un petit peu long. Je vais juste me prendre encore 5 minutes. Assez drôle pour bricoler. Mais moi, j'ai vu un truc. Et je veux à tout prix y aller. Il est juste là en dessous, hein. Je sais pas s'il est redescendu ou pas. Si, je crois. Là. Non? C'est pas ça, là? Si, si. C'est une autre créature et qui nous tourne le dos, ce qui va vachement aider. On a même pas regardé s'il fallait se soigner en plus. Non. Ah, tu peux faire les deux en même temps! Ouais! Ah oui! Are you on? You started it. Your turn. I got this. Ah oui! It's right before the picking. Ah ouais, ok, okay? Du coup, niveau gameplay, c'est pas mal, ça offre ouais, pas mal de possibilités. I don't even think he felt that. Bam! Booyah! Alors là, c'est l'autre, par contre, c'est le blast qui marche sur lui. You! Double attaque! Ça suffit pas encore. Par contre, on peut pas se soigner en combat. This one's ready. I'm on it. Parce que j'ai bouclier. Parce que lui, il a pas soin. Ouais, c'est vrai. Oh, t'es trop chaud, toi! Avec des ailes de papillon ou je ne sais quoi, là, des insectes, c'est très bien bizarre. Alors attendez, hein. On va le gratouiller. Mais on a l'air vachement blessé quand même. Hein. Inventaire. Comment je vois mon niveau de vie? Santé. On est à 80. 80 ouais. De toute façon, je pense qu'on va rentrer. On pourra se soigner au vaisseau, non? Je suppose. Alors, elle a dit qu'il y en avait assez. Où est-ce qu'elle a sorti? Tu crois que c'est ce qui est en face? C'est en face, ouais. De toute façon, ils vont le dire logiquement. Parce qu'il y en a, j'en vois un tout en haut. Alors, je sais pas par où on est arrivé en fait. Elle a effectivement la trousse de soins, tu pouvais pas l'utiliser. Hein. Je sais pas, j'ai pas essayé. Ah, d'accord. J'ai pas essayé. Isn't this the bridge we took to get here? It is. Ouais, ok, donc c'est celui d'en haut. Je vais juste voir si on arrive à rentrer à la maison. Sinon, bah, c'est pas. Il y en a plusieurs en fait. Comment je monte là? Bah, je monte pas, c'est ça? Vous allez me dire? J'ai fait tout le tour. Hein. J'ai vu. Ah non, de l'autre côté. C'est peut-être en face. Bon, sinon c'est pas grave, on va s'arrêter là, je pense. Il y a peut-être un chemin encore à débloquer par là, c'est pas grave. On a eu de la route cette fois. I don't have this one. Là, regarde, je pensais. Ah non, je pensais que ce serait un chemin. Ah oui, il y a rouille brute et rouille fine, j'avais jamais vu, j'ai même pas percuté. Regarde, la jauge elle clignote tout en haut. Tu crois que c'est parce qu'il faut que je remette. Aucune idée. Je reprenne de l'énergie dans les. Là-dedans. Tu vois, ici. Ah oui, sûrement, oui. Oui, c'est ça. Je vais juste la suivre encore, les enfants. Promis, on va s'arrêter. Mais maintenant, on rentre dans le vif du sujet où c'est plus intéressant et du coup, ça m'embête un peu. Ah, par là. Do you see what I'm seeing? Ben voilà. What? Straight ahead. Oh, yeah. Do you think it could carry us all the way up there? Jusque là-haut, bah oui, j'espère que je vais juste faire n'importe quoi. C'est classieux quand même, hein. Ah ouais. C'est vraiment stylé. Et des choses vraiment, vraiment bien pensées. Like that's the highest we'll get. That wasn't too far off. Look, there's another bridge over there.
I wanted to go all the way up. We'll have to lay off the apple juice then. Allez, on va s'arrêter là. Je mets une petite pause. Voilà qui va bien. 50 minutes, il aura fallu attendre presque 40 pour voir les premiers combats. Donc l'intro, enfin le démarrage était assez long, ce qui est en somme assez normal pour un RPG en règle générale. Après moi franchement je suis agréablement surprise, ça se prend bien en main, c'est joli. C'est stylé, c'est vraiment stylé. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de voir en fait, ouais. C'est pas un énième RPG construit pareil. Le système de combat que tu peux faire en double du coup, ouais. Avec la croix directionnelle plus les 4 touches de droite sur la manette. Ça peut apporter un plus sur le gameplay. Ouais, c'est quand même vraiment intéressant et bah, je pense qu'on reviendra peut-être sur le jeu pour un let's play plus tard quand on aura plus avancé dans le jeu. Ouais. Pour que vous puissiez voir un petit peu ou pourquoi pas en stream une fois encore. Hein. Et bah n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé le jeu si vous y avez déjà joué. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces bleus, à commenter, à nous rejoindre sur Twitter, sur Twitch, sur la chaîne secondaire. Les liens sont en description en dessous de la vidéo. Et du coup on vous dit à très bientôt. Et amusez-vous bien.